Les belles bannières de notre Belgique entière. Et si quelqu'un la chrétienté, nous sommes prêts à lutter pour la chrétienté. Nous sommes prêts à lutter pour la chrétienté. À l'image des chevaliers, en chantant glory, glory, alléluia. En ce jour de pèlerinage, chaque membre s'agenouille au passage de Monseigneur Felé et embrasse son anneau épiscopal. Jadis excommunié et aujourd'hui porte-drapeau de la Fraternité Saint-Pédis et de ses 150 000 fidèles, il se laisse aller à ce cérémonial plutôt étonnant. Mais rien de plus normal dans ce monde où l'autorité religieuse se substitue à toutes les autres. Nous voyons chaque année grandir une attitude bien malheureuse des hommes qui prétendent qu'il n'y a pas de Dieu, qui ne veulent pas de Dieu et surtout pas d'un Dieu qui s'occuperait de ses créatures. Qu'ils se prétendent athées, qu'ils prétendent expliquer ce monde par l'évolution ou toutes sortes d'autres explications, peu importe. Leurs théories s'évanouissent devant un fait historique, une réalité. Dieu est entré dans l'histoire des hommes. Le modernisme, en gros, c'est que la foi doit s'adapter au changement. La foi, elle n'a pas à s'adapter. La foi, c'est la foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Donc ça ne peut pas bouger. Le modernisme, c'est dire oui, mais alors, bon, vous comprenez, en fait, là, les circonstances ont changé, donc, ce serait, par exemple, prenons un exemple, on prend un truc gros, quoi, mettons un truc gros comme une maison, voilà, l'homosexualité, oui, mais alors, de nos jours, vous voyez, l'homosexualité, il y a des gens qui se marient entre eux, tout ça, c'était des hommes, des femmes, tout, c'est dépassé, tout ça. Donc, on va changer, on va dire que non, on peut pas quand même condamner ça comme ça, si, on n'y peut rien, c'est comme ça. Voilà. Moi, mon Dieu, donc, il a créé la terre, les hommes, il a tout créé, il est omnipotent, omniscient, et il s'est incarné en la personne de Jésus-Christ. Si lui, le papou, le musulman ou l'hindou, il me dit « Ah oui, non, mais Jésus, pour moi, c'est pas Dieu », ben non, on ne croit pas en le même Dieu, parce que moi, mon Dieu, il s'est incarné, il est trinitaire, et il s'est incarné en la personne de Jésus-Christ. Donc non, on ne croit pas dans le même Dieu. Si des valeurs divines existent, c'est sur ces valeurs-là qu'il faut être d'accord. Et nous ne sommes pas d'accord sur les valeurs divines, nous sommes d'accord sur des valeurs bassement légalistes, humaines. C'est-à-dire, tuer c'est mal, voler c'est mal, voilà. Et c'est pas ça qui fait l'essence de Dieu. Je pense que c'est la dernière des choses à faire, de laisser les gens dans l'erreur. Moi, quand je vois des juifs, par exemple, pratiquants, orthodoxes et tout ça, j'ai envie de leur dire, ça me fait peine quelque part, je me dis, mais ils s'embêtent, ils pratiquent, ils sont pleins de bonne volonté, ils croient en Dieu et tout ça. Mais j'ai envie de leur dire, mais il est venu. Vous attendez le Messie, mais il est venu, ça fait 2000 ans. Rejoignez-nous, on est tous, on croit au même, on est aimé. On a essayé d'instaurer un climat un peu d'œcuménisme, de liberté religieuse, de... Il y a un climat un peu protestant qui s'est installé dans l'Église catholique. On a remarqué qu'en effet, partant de là, il y avait un peu beaucoup une perte de la foi.
on voit ça chez nos grands-parents qui, par exemple, ne croient plus à l'enfer, ne croient plus au purgatoire, ou autre chose, quoi. Enfin, donc il y a quand même une perte généralisée de la foi. Et c'est quelque chose que, qu'on refuse, qu'on bloque. Je pense qu'il y a un malaise chez les jeunes qu'on voyait peut-être pas il y a plus longtemps. Parce que justement, enfin, je pense qu'ils ont plus d'idéal. Et dans la religion chrétienne, on nous donne un idéal. Finalement, pourquoi on est sur cette vie ? On est sur cette vie pour aimer le bon Dieu, pour le servir. Et puis on sait que après, on aura, si on a été, si on a été bon, on ira au paradis. Donc ça nous donne un but. Voilà. Et on a les moyens pour l'atteindre dans la religion catholique. C'est vrai qu'on a un peu envie de leur redonner un élan, quoi, de leur redonner le goût du vrai combat, quoi, de quelque chose d'un idéal, quoi. En effet, il y a un problème dans la société, il y a un problème dans l'Église. Les âmes ne se sauvent plus, Dieu est oublié, les gens se perdent par milliers. Je fais quelque chose aujourd'hui, maintenant, et je me bouge, quoi. J'ai rencontré Serge de Beketch peu de temps avant sa mort. Ce journaliste incarnait la voix politique du mouvement traditionnaliste. De Saint-Nicolas-du-Chardonnay à Saint-Éloi, tout le monde connaissait le verbe assassin d'un homme qui avait déclaré la guerre à la laïcité et à la démocratie. Je pense que si Mgr Lefebvre n'avait pas existé, il n'y aurait tout simplement plus d'église en France. Il y aurait des centres de réunion du MASDU, comme disait l'abbé Pierre, le mouvement d'animation spirituelle de la démocratie universelle, où on réunirait des jeunes beurs, des protestants, surtout des incroyants, parce que le plus important, c'est d'avoir des incroyants, hein, on est bien d'accord là-dessus. Et on s'entretiendrait gravement sur les malheurs du monde, sur les solutions humanitaires à apporter. L'humanitarisme, à mon avis, c'est. Enfin, l'humanitarisme d'aujourd'hui, c'est une manifestation satanique pure. Ça consiste à dire aux hommes, c'est pas la peine de prier. Il suffit de vous mettre une blouse blanche avec Médecins du Monde dessus, vous allez à l'autre bout de la planète et vous allez torcher des petits nègres. Oui, mais en France, on tue des enfants dans le ventre de leur mère. Non, mais ça, c'est une question de liberté, on a parfaitement le droit de le faire. Allez soigner les petits nègres à l'autre bout de la planète. C'est très bien de soigner les petits nègres. Il y a eu des millions de religieuses, de religieux, de missionnaires qui l'ont fait et qui ont bien raison de le faire, mais en attendant. Moi, je suis absolument frappé par le fait que l'Église de France ne se prononce jamais, jamais, jamais sur la question de l'avortement. Ave, 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 Dieu, c'est notre Père. L'avortement a été légalisé le 17 janvier 1975. Nous commémorons ce jour funeste quand même. Et nous sommes là pour promouvoir la vie, promouvoir la famille, promouvoir les enfants, la maternité, et surtout dire oui à la vie. Alors j'aimerais vous entendre crier très fort, oui à la vie, oui à la vie, allez-y. Oui à la vie. Allez. Oui à la vie. Encore, je vous entends pas. Oui à la vie. Voilà, c'est très comme bien. Comme le dit très très bien la banderole qui est derrière moi. Voilà, maman, mon corps m'appartient aussi. Moi, le corps de mon enfant, c'est pas mon corps à moi, c'est le corps de mon enfant. Et je n'ai aucun droit de mettre fin à sa vie, même si son arrivée n'est pas programmée, même si c'est la catastrophe. Je veux dire, moi, franchement, ça n'a pas forcément été la joie folle. J'ai trois enfants, ça n'a pas forcément été dans des circonstances extraordinaires. Je n'ai pas forcément été heureuse en l'apprenant. Et voilà, j'ai été heureuse quand je les ai tenus dans mes bras, quand je les ai eus, et puis parce que j'étais soutenue par ma famille. Sainte Marie.